Bonjour monsieur, je suis Georges Clown et je suis le roi du café. Et il est grand temps maintenant de prendre une petite pause café. Combien de sucre voudriez-vous prendre avec votre café? Un ou deux sucres? Sachez que vous pourriez en prendre 4375. Car le placard de Georges Clown contient 43 boîtes de sucre et il est toujours prêt à faire face aux éventuels gourmands. J'espère simplement que vous n'êtes pas diabétique, car Georges Clown serait déçu de vous voir faire un malaise et devoir appeler les pompiers. Quoique cela ne dérangerait pas trop Georges Clown, car Georges Clown est gay et a le fantasme de l'uniforme. Georges Clown va maintenant vous donner un petit cours pour obtenir un délicieux café, idéalement tempéré et idéalement dosé. Alors, voyons voir. Pour faire un délicieux café, il nous faut, voyons voir, je ne sais même plus. Ah oui, du café, puis une tasse que vous allez remplir d'eau. Comme ceci. Ensuite, vous allez mettre la tasse au micro-ondes à pleine puissance. Vous allez faire chauffer votre eau pendant le temps de réciter l'alphabet à l'envers, comme ceci. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Voilà. Votre café est maintenant parfaitement tempéré. Maintenant, vous allez doser votre café. Pour doser votre café, Georges Clown vous conseille de mettre une cuillère et demie de café soluble. Une cuillère. Et demi, voilà. Puis, Georges Clown vous conseille de mettre un sucre et de touiller avec une cuillère à café. Si vous ne disposez pas de cuillère à café dans votre cuisine mal rangée, Georges Clown vous conseille de touiller votre café avec un stylo comme cela. Si vous ne disposez pas de stylo dans votre maison et que vous êtes en fait un parfait illettré, je vous conseille donc de touiller votre café avec le cadavre d'un bébé écureuil. Voilà, monsieur Georges Clown vous a préparé un délicieux café. Vous pouvez maintenant goûter votre délicieux café. Georges Clown a appliqué ici la recette du délicieux café. Ne confondez pas avec la recette du voluptueux café, ni avec la recette du café délicat.
et encore moins avec la recette du café magnifique. Ceci est bien sûr la recette du délicieux café. Voilà, monsieur.